Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se plaisent à le répéter aussi souvent que possible. Après 10 ans de mariage, l'ancien président de la République et son épouse sont toujours aussi épris l'un de l'autre. En octobre dernier, sur le plateau de C'est à vous, la chanteuse avait même regretté que son mari soit si souvent absent, « il n'est pas assez omniprésent à mon goût malheureusement. Ce soir il est à Londres par exemple. Évidemment on a l'impression qu'on s'exhibe dans les moments médiatiques comme ceci. Mais la vérité c'est qu'on se sent assez mal quand on est l'un sans l'autre » confiait-elle. Si l'alchimie semble aussi parfaite entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, c'est aussi selon Paris Match parce que leur entente sexuelle serait idéale. Dans son dernier numéro, le magazine révèle en effet les coulisses de leur rencontre, au cours d'un dîner chez Jacques Séguéla. Coup de foudre absolu, mariage 3 mois plus tard et surtout une confidence de la chanteuse à l'une de ses amies, « Je te souhaite que ton mari te fasse aussi bien et aussi souvent l'amour. » Une alchimie sous la couette et un amour puissant qui donneront la vie à une petite Giulia en 2011.